Every day we escape, losing all of our faith. We can't. Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo partenariat. Je préfère le préciser en début de cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une marque que c'est la première fois que je collabore avec eux. Et c'est la première fois aussi également que je vais tester leurs produits. Donc, la marque qu'aujourd'hui, je vais vous parler, c'est cette marque, donc Avamé. J'espère que je le dirai très très bien. C'est une marque de bougies, de diffuseurs et de sprays, tout simplement pour sentir bon dans votre maison. Alors j'avais très très hâte de recevoir ce colis et il est arrivé aujourd'hui et je me suis dit, Charlène, il faut absolument que j'ouvre ce colis et vous en faire cette vidéo, parce que si vous ne connaissez pas cette marque, on en entend parler un petit peu en ce moment sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai découvert tout simplement cette marque sur la chaîne de Hello Famille et de Bébé Pulpeuse parce que je ne la connaissais pas avant. Vous me direz tout simplement si vous connaissez cette marque ou pas. Moi, je la connaissais pas, je vais la découvrir en même temps que vous. J'ai simplement pré-ouvert le colis, mais déjà je vais vous parler. Vous avez un code promo de moins 40%, oui, écoutez bien, moins 40% avec Chachou Free, je vous le mets ici. Et en plus de ça, vous aurez un diffuseur de votre choix gratuit. Alors, moins 40% plus un diffuseur, comment vous dire? Moi, je pense que je vais passer une commande avec mon code promo aussi, parce que moins 40%, c'est juste énorme. Et en plus de ça, vous avez le diffuseur de votre choix offert. Vous n'avez pas du tout de minimum d'achat et ça, je trouve ça génial. Donc voilà, n'hésitez pas. Vous aurez en barre d'infos, bien évidemment, le lien de leur boutique, le lien des produits que moi, je vais vous présenter aujourd'hui. Et vous aurez également le code promo où je vous explique tout ça. Et je vais vous faire aussi un petit texte pour tout ce que je vais vous résumer dans cette vidéo. Et bien, que vous l'ayez aussi en petit commentaire sous la vidéo. Et avant toute chose, je vais mettre un petit peu le colis de côté pour pas qu'il me gêne. Je voulais vous dire que tous ces produits sont de France, bien évidemment, et sont envoyés dans tout le globe, voilà. Donc peu importe où vous habitez, ils livrent de partout. C'est surtout que voilà, c'est français, c'est artisanal parce que c'est eux qui confectionnent leurs produits. Et vous verrez que moi, je vais vous inclure dans la vidéo tout simplement tout ce qu'ils font un petit peu. Donc que ça soit les bougies, que ça soit les diffuseurs, que ça soit les brumes aussi. Je vais vous inclure des petites photos, etc. pour que vous voyez tout ce qu'ils ont, parce qu'ils ont beaucoup de choix. Et en fait, tout simplement les senteurs, c'est un petit peu les senteurs d'un petit peu dans tout le monde, et ça j'adore. C'est pas que vanille, c'est pas que fraise, on va dire, c'est vraiment les senteurs Santorini par exemple, Bahamas, voilà, toutes ces senteurs là vous avez à la lavande aussi, et c'est des senteurs que vous ne trouvez nulle part ailleurs. C'est ça qui m'a vachement attirée. Déjà, vous verrez que le packaging, c'est une merveille. Qu'ils m'ont envoyé va aller dans ma chambre, parce que ma chambre est vraiment mon cocon à moi. Je vais être en travaux dans mon salon, donc je ne veux pas abîmer ces produits. Je vais vraiment m'en servir dans ma chambre, et vous verrez que dans mes vlogs, je vais continuer à m'en servir. Moi, vous savez que je suis honnête avec vous. Je vous dis toujours si j'aime ou si j'aime pas un produit. Et là, même sans les avoir sentis, rien que le packaging, une merveille, vraiment une merveille, vous allez voir, c'est trop beau. Et c'est surtout que ça change de l'ordinaire par rapport au senteur, et ça m'attire vraiment beaucoup. Donc je vous rappelle, la marque c'est Avamé. Et il faut savoir également que les bougies sont véganes, sont faites à partir de soja et aussi de Krusty Free. Alors je sais pas si je l'aurais bien dit, moi je ne connais pas, mais en tout cas c'est vegan. C'est bien aussi que ça soit vegan. Je ne suis pas quelqu'un de vegan, mais je vous avoue, quand je vois que des produits sont faits avec des produits qui ne sont pas toxiques, il faut savoir que les produits que je vous présente là ne sont pas testés aussi sur les animaux. Je voulais vraiment vous le dire parce que c'est très 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 important. C'est vrai que quand on vous présente des produits, c'est bien de vous expliquer tout ça. Moi par exemple, si j'achète un cosmétique que je vois que c'est testé sur les animaux, je vous avoue que ça me freine. Là,
c'est pas du tout testé sur les animaux et c'est encore une raison de plus que moi je me suis poussée vers cette marque là parce que c'est quand même très important je trouve de nos jours. Et sans plus attendre, je vais vous montrer dans quelques petites minutes les produits, mais déjà je voulais vous dire, vous avez les petites bougies qui font 180 grammes, elles ont 40 heures à peu près de comment dire, je sais pas comment on explique vraiment quand les bougies voilà elles chauffent. Vous avez 40 heures, c'est juste énorme. Et vous avez aussi les maxi bougies qui je crois font 200 ou un petit peu plus de je ne sais plus, mais de toute façon je vais vous inclure plein de photos comme ça au moins au fur et à mesure que je parle vous aurez des photos de tout ce qui se passe sur la boutique. Et là c'est 70 heures de brûlage, voilà, de brûlage, c'est juste énorme. Et pour tout ce qui est brume de linge de lit, parce que je vais vous en présenter une, et tout simplement la seule chose qu'il faut savoir sur les brumes, vous vaporisez à au moins 30 cm de votre linge de lit, de vos rideaux, etc. Ça ne tâche pas, ça c'est bon à savoir parce que des fois des diffuseurs tâchent, mais là apparemment ils ne tâchent pas, donc de toute façon on va tester ça ensemble. Et par contre les gros diffuseurs, vous savez où on a les bâtons, je vais vous en présenter un, font 200 ml. Attention, vous allez voir, il sent entre 8 à 12 semaines. 8 à 12 semaines, c'est pas comme les petits diffuseurs qu'au bout de 3 semaines, même pas, vous en avez plus. Vous savez, c'est tout simplement avec les bâtons. Et après, quand vous arrivez à la moitié de votre flacon, vous tournez les bâtons et ça va encore sentir bon. 8 à 12 semaines, c'est juste extraordinaire. Franchement, je pensais pas que ça soit autant entre la bougie, 40 heures de brûlage. Et en plus de ça, le diffuseur 8 à 12 semaines, ma chambre va sentir trop bon. J'ai vraiment très hâte parce que je les ai pas découverts. Je sais ce que c'est comme produit, mais je ne les ai pas ouverts et pas sentis. Et j'ai super hâte de les sentir. Je pense que je vous ai dit tout ce qu'il y a à savoir, mais n'hésitez pas. Vous avez le code promo plus le diffuseur gratuit. Donc voilà, si vous passez commande, n'hésitez pas de me le mettre en commentaire. Moi je pense que je vais craquer sur certains produits, sachant qu'au mois de septembre c'est mon anniversaire. Donc je pense que je vais me faire un petit plaisir. Et maintenant, je ne vais pas vous faire plus patienter. Je vais vous montrer tout simplement les produits que j'ai reçus. Alors, déjà, c'était très bien emballé. Vous voyez, ça se présente comme ceci. Bon, je vais mettre ça de côté. Vous voyez, très bien emballé. Et vous allez voir que l'intérieur aussi, il y avait une cale. Et tout simplement... voilà, c'est très bien emballé. Là, je vous les présente et après, je les mets dans ma chambre et je vais vous dire ce que ça sent vraiment, les odeurs qui, pour moi, ressortent le plus et à quoi ça me fait penser. Je vais vous faire voir aussi la bougie crépitée. Voilà, je vous montre tout ça, mais déjà, sans plus attendre, je vous montre les packagings et je vous montre les emballages qui sont sur les produits. Et aussi, je vais vous mettre les prix quelque part sur la vidéo. Comme ça, au moins, vous serez à peu près combien ça vaut les produits. Mais déjà on va commencer par tout simplement, donc c'est la Avamé, donc la Tranquille Mind. Donc je vous laisse regarder. Voilà, le nom est ici, vous avez tout inscrit ici. Donc je vais vous donner les odeurs tout simplement de la brume. Donc c'est jasmin, lavande et du mousse blanc. Alors là je vous avoue que moi je ne connaissais pas du tout. Alors comme je vous ai dit, on le met soit comme ça dans votre maison, peu importe, chambre, salle de bain, salon, cuisine, ce que vous voulez. Et par contre si vous le mettez tout simplement sur des draps, sur des rideaux, vous mettez bien à 30 cm. Donc le packaging, moi je le trouve très joli, mais de toute façon je vais vous inclure des petites séquences pour que vous les voyez beaucoup mieux. Donc ce flacon là fait 100 ml et je vais l'ouvrir. Hop, tout doucement, mais rien que le flacon, voilà, c'est tellement beau, tellement beau, regardez. Voilà, c'est un flacon en verre qui est avec le capuchon bois et moi j'adore tout ce qui est bois. Il est couleur vieux violet, très clair je dirais. Normalement on dit pas vieux violet, mais je trouve que c'est un violet... très raffiné, un peu comme le vieux rose. Ben là moi je dirais que c'est un vieux violet transparent, j'aime beaucoup. Puis le capuchon, alors on va le sentir ensemble tout simplement. Je fais attention, voilà. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais le vaporiser pour vous donner, oh là là. Alors pour moi
Alors moi, pour moi, l'odeur, j'ai l'impression qu'on ne sent pas beaucoup la lavande. Je trouve qu'on sent beaucoup tout ce qui est jasmin et peut-être le musc blanc. Je ne sais pas si je l'aurais bien dit. Je sens pas la lavande. C'est très intriguant parce que je sens pas trop la lavande. Alors comment vous dire que là, ce soir, je vais en mettre un petit peu dans ma chambre de partout. Et je vous en dirai un retour lors de mes vlogs. Mais alors là, ça sent... Ben ça sent super bon. Qu'est-ce que ça me fait penser? Ça me fait penser... Alors moi je sens pas la lavande, pourtant je viens d'une région de la lavande. J'ai plus l'impression qu'on sent le jasmin, qu'on sent le frais. Ça sent divinement bon. Ah oui, ça sent très très bon. Là, ils font ces brumes-là, mais ils font aussi les brumes d'ambiance. Les brumes comme ça de linge, donc vous pouvez les mettre sur les linges ou même dans votre maison. Par contre, vous avez également les brumes tout simplement des brumes d'ambiance. Là, vous en mettez pas sur le linge par contre, mais là, c'est plus pour voilà, question d'ambiance. Mais là, moi là aujourd'hui, je vais venir en mettre sur comme je vous ai dit, je veux que ça reste vraiment dans ma chambre, sur mes rideaux de ma chambre et sur mon lit. Je pense que je vais bien dormir, mais ça sent, je dirais que ça sent un peu la Provence quand même. Ça sent la Provence, mais avec cette odeur de jasmin. Alors le musc blanc, moi je le connais pas, je sais pas vraiment à quoi ça sent, mais j'ai l'impression, voilà, en fait j'ai l'impression qu'on sent les trois odeurs, mais ça sent le frais. Vraiment ça sent le frais. C'est comme des fois quand vous prenez la douche, vous sortez et vous avez des odeurs qui restent sur vous et vous sentez fraîche, parce que des fois avec certains gels douche non, et ben là j'ai l'impression d'avoir du frais sur moi. Vraiment j'en ai mis un petit peu devant moi, vous l'avez vu, hein, j'en ai mis devant moi, mais ça sent terriblement bon. C'est vraiment une pépite. Alors j'avais très hâte de pouvoir tester une brume, en plus une brume pour le linge de lit. Donc moi, comme je vous ai dit encore une fois, ça reste dans ma chambre, donc je vous montre. Hop, c'est celle-ci. Voilà, je vous remonte pour que vous voyez bien, mais de toute façon n'oubliez pas, en barre d'infos, moi je vais vous mettre tout simplement les liens des produits qui m'ont été envoyés. Mais là, comment ne pas craquer, voilà. Là, sachant que je vais refaire mon salon dans quelques semaines voire mois, je me dis que ça, je pourrais en mettre même dans mon salon aussi. Et même quand on se met dans le canapé, qu'on a une odeur comme ça. Moi, je vous avoue que je suis vraiment fan et c'est une belle, belle découverte. Et effectivement, elle sent terriblement bon. Donc ça, c'est le premier produit que je vous présente. Je vais garder la bougie pour la fin. Je vais vous présenter le gros, gros, gros diffuseur qui m'a été envoyé. Vous le voyez, il est énorme. Donc c'est le 200 ml. Je crois que c'est le plus gros et c'est le Mexico. Le Mexico, tout simplement, c'est de l'ambre, du jasmin et du patchouli. Le patchouli, c'est pareil, c'est une odeur que je ne connais pas. Donc je vais voir ce que ça donne. Alors, j'adore le packaging. Il faut que je vous le montre. De toute façon, je vous le réinclus sur la vidéo, mais j'adore, avec voilà, les petites têtes de mort, etc. Franchement, top, top. Alors là, je pense que ça va avoir une odeur de Mexique. Je ne suis jamais allée au Mexique. Moi, je vais vous dire ce que j'en pense. Je vais essayer d'imaginer aussi l'odeur du Mexique. Mais vraiment, rien qu'avoir un packaging de paquet comme ça, je pense qu'à mon avis, les boîtes, ma fille va les récupérer. J'en suis quasiment sûre. Mais vraiment, top, top, top. Rien qu'au niveau visuel, et je trouve que pour un produit, le visuel compte beaucoup. Vous me direz vous aussi ce que vous en pensez, mais je trouve que visuel, c'est vraiment très 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 important. Là, c'est ce que je vous ai dit, celle-ci, 8 à 12 semaines pour une 200 ml. Donc, à mon avis, pendant un bon moment, je vais sentir cette odeur. Donc, c'est livré donc avec 5 bâtons. 5 bâtons. C'est préconisé que si vous avez une petite pièce, moi en l'occurrence j'ai une petite pièce, vous en mettez que 3. Moi je vais mettre les 5, voilà, je vais tester avec les 5. Si je vois que l'odeur est un petit peu trop présente, j'en enlèverai 2 et j'en garderai 3. Mais c'est vraiment préconisé sur leur boutique que pour une petite pièce, vous en mettez que 3. Pour un salon par exemple, vous en mettez que 5. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, vous les mettez dans votre peau tout simplement. Dès que vous arrivez à la moitié de votre peau, vous les retournez dans l'autre sens, tout simplement. C'est ce qui est préconisé. Je ferai exactement comme c'est écrit sur la boutique. Et je vais juste mettre le flacon là, remettre le petit capuchon parce que j'ai dû l'enlever et regarder. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais ma chambre est verte comme ceci. Alors j'adore, voilà, c'est... magnifique.
toujours capuchon en bois, plus le bouchon est en bois, que dire. Voilà, moi ce genre de packaging là, c'est quelque chose que j'affectionne. Voilà, je trouve ça tellement, 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 tellement beau. Donc je vous rappelle, c'est la Mex. Donc ce que je vais faire, c'est que là, tout simplement, je vais enlever le bouchon. Et je vais enlever le bouchon, tout simplement, qu'il y a... Hop, je fais très attention. Je vais juste sentir le petit capuchon. Ouh, ça sent très 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 bon. Donc j'ai enlevé ce petit capuchon. Donc ce petit capuchon, je vais le mettre à l'intérieur pour pas le perdre. Et tout simplement, on va venir mettre les petits bâtons à l'intérieur. Oh, tellement dingue. C'est... Alors ça, c'est le genre de déco que j'adore. Alors, moi, je trouve, je vais reprendre mon téléphone pour vous dire vraiment ce que j'ai l'impression que ça sent. Alors pour moi, je trouve que cette odeur est un petit peu plus masculine que celle-ci de tout à l'heure qui est bien fille. Voilà, celle-ci, je trouve qu'elle est un petit peu plus masculine. Mais par contre, elle sent très bon. Elle sent très bon. Alors le patchouli, je peux pas vous dire à quoi ça sent. Entre l'ambre et le jasmin, je pense que ça sent plus l'ambre que le jasmin. Mais alors... Oh là là, ça sent vraiment bon. Ça sent vraiment bon, mais j'ai un peu l'impression que ça sent un petit peu un côté masculin, mais ça sent aussi le frais, c'est ça qui est étonnant. Mais c'est un petit peu plus masculin, je pense que c'est vachement l'ambre qui l'emporte. Après, voilà, comme je vous ai dit, moi, le patchouli, je ne connais pas. Mais en tout cas, si au Mexique, ça sent ce genre d'odeur, je vais partir au Mexique. Il faut juste prendre l'avion et là, je sais pas. Mais ça sent très bon. Très très bon, c'est vraiment envoûtant. Moi j'adore sentir les odeurs, hein. Je suis très sensible aux odeurs et c'est vraiment très envoûtant. Ça sent vraiment bon. Si je pouvais vous envoyer l'odeur, ça serait vraiment très 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 bien. Et là vous voyez le fait d'avoir mis les bâtons, tout simplement ça va se diffuser tout au long. Je sais pas si vous voyez, là vous avez des gouttes à l'intérieur, en fait il commence à diffuser et quand vous arrivez à la moitié du pot, vous les retournez, mais ça sent très bon. Alors, je sais pas. Peut-être ça ira sur ma table de nuit. Peut-être sur les étagères que j'ai derrière. Mais quoi qu'il arrive, ça va aller dans ma chambre. Pas très loin. Et ça sent très bon. Voilà. Je me répète, mais ça sent très très bon. Mais j'arriverai pas à savoir si ça sent le Mexique. Parce que moi, du coup, j'y suis jamais allée. Si vous êtes allée au Mexique, marquez-moi-le en commentaire. Ce que ça vous fait penser, les odeurs du Mexique, etc. Moi, je connais pas. Voilà, hormis tout ce qui est alimentaire du Mexique. Mais je connais pas, mais ça sent très très bon. Et c'est une belle découverte. Et puis, regardez-moi ce packaging, je kiffe. Et ça, c'était le combo du coup du diffuseur. Bien sûr, la boîte, soit ma fille va la récupérer, soit je vais la garder. Parce que je vous avoue que quand même, c'est très beau. Même la boîte est très 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 belle. Et n'oubliez pas, je vous mettrai les prix sur la vidéo. Et pour terminer, alors, c'est pas moi qui ai choisi les produits. C'est tout simplement la personne de Avamé qui les a choisis. Et moi, dans mon panier, j'avais mis la bougie Bahamas. Parce qu'en fait, j'en ai entendu que du bien. Que ça soit sur la chaîne de Hello Famille ou alors tout simplement la chaîne de Bébé Pulpeuse. Il y a aussi la Santorini, il paraît qu'elle sent très très bon. Je crois que celle-là, elle va me faire de l'œil dans pas très longtemps. Mais vraiment, j'avais bien enregistré qu'elles ont adoré la Bahamas. Sans avoir parlé avec cette personne, elle a dû lire dans mes pensées et elle m'a envoyé la bougie Bahamas en sac en 180 grammes. Comment vous dire que... Alors là, j'avais super hâte de pouvoir la sentir parce que voilà, j'en ai tellement entendu du bien. Donc, c'est arrivé comme ça, emballé. J'en ai entendu du bien. Et alors là, je sais pas vous, mais le packaging. On en parle du packaging sublime. Voilà, sublime. C'est tellement, tellement, tellement beau. Voilà, donc je vous rappelle, les 180 grammes, une durée de 40 heures de brûlage et les plus grosses, c'est 70 heures à peu près. Moi, je ne vais pas contrôler combien de temps je vais la faire chauffer. Je vais la mettre un petit peu tous les soirs parce que moi, j'aime bien tout ce qui est petites bougies, etc. Moi, j'ai toujours aimé ça depuis mon enfance. Je vous le dirai, voilà. Je vais vous dire à peu près en termes de soir combien de temps ça m'aura duré dans les vlogs. Mais 40 heures, je trouve, hein, pour une bougie, c'est énorme. Je sais pas en temps normal combien de temps ça brûle normalement une bougie classique. Mais alors là, 40 heures, pff, énorme, énorme. Donc la Bahamas, tout simplement, c'est du monoï, de la vanille, de la noix de coco.
comment vous dire, et c'est avec de la cire de soja, c'est ce que je vous ai expliqué. Alors je suis désolée, je regarde mon téléphone parce que je ne veux pas vous dire des bêtises à chaque fois, j'aime bien faire les choses bien. Voilà, donc rien que le monoï, comment vous dire, je vais adorer. Et là du coup je vais l'ouvrir, et là c'est pareil, ça va aller parfaitement avec la déco de ma chambre, hein. Bon, là, je suis en train de l'ouvrir. Et oh là là, que vous dire, que vous dire, que vous dire, elle est rose. Voilà, franchement, je suis dingue, 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 dingue. Donc pareil, vous avez le logo tout simplement qui est, comment dire, qui est gravé, voilà, tout simplement de la marque. Et regardez, voilà, avec le capuchon en bois, ça c'est rose mat, voilà, que dire, que dire, que dire. Et du coup, oh là là, alors... Ah oui, ah là c'est les îles, là je me croirais vraiment dans les îles ou alors à la plage avec le monoï qu'on se met pour bronzer. Alors là oui, là je m'y vois déjà, alors les Bahamas, comment vous dire que je vais me faire un petit voyage. Je vais me faire un petit voyage, hein, je crois, parce que franchement ça sent, ça sent trop bon. Oh là là, c'est extraordinaire. Alors là, effectivement, je sens beaucoup le monoï, la vanille et une pointe de noix de coco à la fin. Comment vous dire que... Là, je vais l'allumer avec vous. Une dinguerie. Ouf, c'est mon coup de cœur. Là, clairement, c'est mon coup de cœur. Je vous le dis. Hein. Ouf. Et j'imagine que le diffuseur comme ça... mon dieu, c'est une pépite. Ah, c'est une pépite. Oh là là, je crois que cet après-midi, je vais faire la sieste et je vais la mettre à côté de moi. Déjà, regardez le fait que c'est rose en transparence comme ça, là, c'est sublime. Ah non, mais là, vraiment, j'ai envie d'aller à la mer ou alors dans un pays étranger, par exemple les Bahamas, mais aller au pays ensoleillé, parce qu'alors là, ah non, c'est une tuerie. Oh non, je vous jure, ça donne envie d'aller à la plage. Là, vraiment, ça donne envie d'aller à la plage. Rien, en fait, je pense qu'en premier lieu, on sent beaucoup le monoï. Après, on sent la vanille et la noix de coco à la fin. Voilà, que dire, que dire, que dire. Une merveille, une merveille. Là, je vais l'éteindre. Parce que tout simplement, je ne vais pas rester dans ma chambre et je fais très attention, sachant que j'ai des animaux à la maison. Mais je vais la mettre dès ce soir et de toute façon, je vais vous inclure des petites photos et des petites vidéos comme vous aurez vu tout le long de la vidéo. Mais que dire? Que dire de cette merveille? C'est extraordinaire. Et dessous, par contre, vous avez tout ce qu'on vous explique concernant les bougies, en fait, qu'il faut faire attention, etc. Ça c'est top, ça c'est top, 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 parce qu'il faut faire attention et il y a bien le logo aussi avec les animaux, donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, je vais la faire brûler quand je vais être dans ma chambre tranquillement, je vais vous inclure des petits passages, mais mon réel coup de cœur c'est ça, après c'est la brume, et pour terminer en fait ça sera celui-ci, mais vraiment mon gros coup de cœur c'est celle-ci, voilà, c'est ceci, et j'imagine qu'avec le diffuseur qui va avec ça doit être... une pépite, vraiment, que dire, que dire. Un grand merci déjà à la marque qui a accepté cette collaboration, qui m'a envoyé ces magnifiques produits. Bien évidemment, vous allez retrouver des stories et des posts sur mon Instagram ainsi que sur YouTube. Et je vais vous mettre aussi, je pense, un post sur TikTok également, le même que vous retrouvez sur Instagram. Que dire, voilà, je suis très 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 contente d'avoir pu tester leurs produits, peut-être vous avoir fait découvrir cette marque, voilà, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi je vais les tester dans du long terme à la maison, je ne sais pas s'il y aura une nouvelle collaboration avec eux, j'espère que oui, on verra bien, mais en tout cas j'ai été très contente de pouvoir tester ces magnifiques produits, je suis très contente, merci à eux et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas, vous avez tous les liens en barre d'infos et les posts et les publications sur mon Instagram, n'oubliez pas, vraiment je poste beaucoup 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 de choses sur Instagram, le lien aussi il est en barre d'infos, et tout simplement mon Instagram est en public maintenant, donc n'importe qui peut aller voir ce que je poste. Je vous fais des gros bisous, merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt, bye bye.